Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve chaque dimanche matin pour vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots durant la semaine Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'autodemoiselle demoiselle et vous pouvez retrouver tout ce dont je peux parler en lien en dessous Je vous mets tous les liens vers mes fiches Ravelry qui sont globalement bien tenues à jour Comme ça vous retrouvez vraiment toutes les informations importantes Le patron les laines, la taille d'aiguille, la taille des vêtements, voilà, j'essaie de tout mettre au maximum en dessous dans les liens, vous trouverez tout. Je suis contente de vous retrouver la dernière semaine avant mes congés et avant une pause de vlog. Voilà, je vous l'annonce, c'est dit. Mais vous inquiétez pas. Comme chaque année, alors j'ai décidé cette année vraiment de faire une grosse coupure. Pas que j'en ressentais le besoin, quoique l'arrivée là, là peut-être que si. Euh, mais parce que je me suis dit que bah, ça me ferait pas de mal de vraiment de couper couper, de pas le faire subir euh, à ma famille, et là je vous avoue, donc comme j'ai préparé pas mal de petites choses pour vous quand même pendant que je serai pas là, même si je serai pas là, je vais pas vous, vous vloguer euh, mes vacances, vous aurez quand même des vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé des petites choses, vous savez qu'en ce moment je suis beaucoup dans le vidéo et le montage, et c'est vrai que j'arrive un peu à saturation, mais c'est bon, au moins après j'ai une grosse coupure et je reviendrai bien en forme après mes vacances. Il me semble que l'an dernier j'avais coupé une semaine, vraiment la semaine où quand on était vraiment parti parti, mais je vous avais laissé quelque chose. Euh, là cette année je vais vraiment couper tout le temps de mes congés complètement, mais voilà, je vous ai prévu quand même des choses. Tous les dimanches matin, vous aurez une vidéo, vous inquiétez pas, et pas que il y aura d'autres choses. Voilà. Alors, je suis contente de vous retrouver donc, pour cette... Euh, alors, moi, je suis dans l'euphorie des vacances. Même si je suis en totale déprime à cause du mauvais temps. Alors, ça me plombe le moral, mais royal. Moi, bon, je, je vous l'ai dit, j'aime l'été, mais j'aime l'été quand il fait beau, quand il fait chaud, la chaleur, le soleil. Là, ça me déprime totalement. Quand je regarde euh, notre semaine de vacances, la météo pour dans nos vacances à la fin de la semaine il prévoit de la pluie, je ne suis que tristesse, mais bon, je pars dans l'idée que la météo se trompe, et de toute façon, on peut rien y faire, et on va subir, on le subira, et puis voilà, mais euh, ouais, non, je suis un peu triste, quoi, ça me déprime un peu, cette histoire de mauvais temps, mais en même temps, je suis contente, parce que voilà, chaque jour, c'est le dernier jour avant de nos congés, et ça, ça fait du bien, on... c'est le lundi, c'est le dernier lundi, le lundi prochain, je serai en congé, il n'y aura pas de boulot. Et euh, voilà, moi je suis un peu comme les enfants, on décompte les jours et tout. Donc euh, voilà, je suis dans l'euphorie quand même des vacances, même si, euh, même si le mauvais temps me, me, me plombe un peu mon moral. Mais bon, on peut rien y faire. Alors, bah euh, comme il fait pas très beau, aujourd'hui je porte, mais sans souci, mon Rockiti, euh, donc un modèle de Tanis Savallet que je l'ai fait dans le cadre du cal euh, lancé par Céline, Madame Bibiche. Alors c'est un t-shirt hein, qui se du haut vers le bas avec une alternance euh, fingering et mohair. J'aime beaucoup le rendu, il est vraiment super beau. Ses hein. couleurs et tout, j'adore. Euh, je vous ai déjà fait euh, deux vidéos sur les deux, sur les deux comment dire, comment on dit ça euh, sur les deux versions que j'ai faites. Vous retrouverez en cherchant euh, Rocky euh, dans ma sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez les deux vidéos dédiées à ce modèle là. Donc voilà, je le porte aujourd'hui et franchement, c'est pas de trop. Euh, même pour sortir, j'ai mis une veste par-dessus, euh, tellement chez nous, euh, le temps, il est euh... pourri. Voilà, c'est dit. Alors, sinon, bah, je vous retrouve ce week-end tricoté avec les copines. Je me suis rendue à la mercerie de, ce, de Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Et d'ailleurs, un grand, grand merci à l'une d'entre vous, je sais pas si je peux dire ton nom, donc je ne te le dirai pas, qui m'a laissé un cadeau chez Justine. Je l'ai bien eu. Merci, merci à toi. Euh, extrêmement touchée et tout. Euh, voilà. Plein de bisous, je pense que tu passeras par ici. Donc, je euh, j'y suis allée à la mercerie, et j'y suis allée donc avec deux, deux des pelotes, ben un écheveau et une pelote que j'avais reçue de Languerne, dans l'idée de trouver quelque chose pour aller avec pour les tricoter. Donc, j'y suis allée avec celui-là, et en fait, Justine, elle me disait, bah, elle l'a pas encore en boutique parce que c'est tout nouveau, c'est tout juste sorti. Et j'ai eu pris, j'ai pris donc chez Justine, euh, bon, si je vous montre, la même chose. En fait, la, là, c'est un à la main, donc c'est mis en écheveau, mais en fait, l'alpaga soc existait déjà. En pelote teint de manière industrielle. Et j'ai choisi alors un blanc blanc parce que finalement je savais pas. Il n'y a rien qui allait vraiment bien avec. Euh, et finalement bah, le blanc c'est ce qui mettait le mieux en valeur euh, cet écheveau là. Et je vais faire un châle avec les deux. Et je pense faire un petit châle que Suzanne Sommer a sorti il n'y a pas longtemps en brioche qui se fait avec euh, deux écheveaux. Et ça sera parfait. Donc voilà pour la première chose que j'ai pris. C'est vraiment super doux. J'aime beaucoup. Donc ça ça a trouvé, il n'y aura plus qu'à le faire. Et ensuite j'y suis allée avec la, la pelote de 1000 coloris. Que c'est beau. Je vous avais dit je le verrais bien dans un jacquard. Et Justine m'a bien aidée pour euh, bien conseiller euh, pour euh, trouver euh, la pelote qui allait bien avec. J'ai pris la quantité pull en Jawal Silk. Avec ce rose là ça ressortira vraiment bien pour faire le jacquard. Et je pense faire le modèle Laurel de Eulong avec Anna. Parce que c'est Justine elle est en train de le tricoter en ce moment, en ce moment et j'aime beaucoup le rendu. C'est un pull tout en jacquard et donc bah en fait il faudra toute la pelote. Elle utilisera toute la pelote mais ça va être vraiment bien. Il y a des nuances de rose un peu parfois donc ça risque un peu de se confondre. Mais globalement il y a quand même pas mal de, de contraste et ça va rendre super bien. Et c'est vrai que je partais dans l'idée d'un beige et au final Justine avait super raison. Le rose comme ça ça rendait super bien. De toute façon, les copines du tricoté sont de bons conseils pour tout problème. Voilà, franchement, il n'y a pas à dire. Euh, vous avez un souci, vous parlez avec les copines, euh, elles ont des solutions à tout. C'est merveilleux. Donc voilà pour ma petite, euh, les petits achats euh, chez euh, Justine. Euh, j'ai pris donc la quantité pull pour ça et j'ai pris aussi autre chose. J'ai oublié. Et puis, je sais, elle met toujours des petits cadeaux quand on passe commande chez elle. Donc, là, elle a des petits anneaux marqueurs en poule et puis un avec un gros cupcake. Et j'ai craqué aussi pour ça, j'avais vu sur son Insta passer, elle avait des embouts en silicone là pour les pointes d'aiguille de la marque Tulip. Alors, Tulip font, font des crochets, je pense pas qu'ils fassent d aiguilles. Mais toujours est-il qu'ils font ça, j'ai trouvé ça trop mignon donc j'ai pris également. Voilà pour mes petits achats du week-end, très raisonnable, hein, ma foi. Et ouais non ça va être le rendre, j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner tricoté, ça va vraiment être chouette. Alors je vous l'avais dit, mon objectif euh, la semaine dernière ça avait été de tricoter la chaussette de Noah jusqu'au talon pour avoir tout le pied ensuite au tricoté. Et ben voilà, j'ai donc une chaussette terminée. Les colors, il s'agit de la color palette sock de Laura Moura qui se tricote du haut vers le bas. C'est un modèle gratuit mais en anglais, mais gratuit qui est vraiment pas compliqué. Euh, me... Alors moi j'ai fait Alors, je vous avais dit hein, j'ai fait un talon renforcé à gousset. je crois que c'est ce qui est quand même préconisé dans le patron mais j'ai un doute. Bon toujours il que moi c'est ce que j'ai fait. Puis voilà, on a les diminutions, j'ai continué mon alternance de, de rayures, donc là c'est un reste de la bien-aimée, là c'est un reste de Arco Ericiane, et, et là c'est un mini de chez laine de Mout. Et j'ai fait donc la première chaussette. Alors contrairement à euh, parce qu'il n'y a qu'une seule taille unique, moi ma version à moi. J'ai fait des cotes semi-torse ici comme préconisé dans le patron et je trouve que ça resserre un petit peu. Et j'avais fait aussi, il y a une pointe en forme d'étoile, il me semble, dans le patron. Ça fait que ça fait vraiment une petite pointe. Alors là pour Axel, moi j'avais fait 4 rangs à ce niveau-là dans les blancs et en juste en jersey en droit. Je trouve que ça a grandi un petit peu. Là pour Noah, pour que ce soit un peu plus petit, ben j'ai fait que 3 rangs. Et au niveau de la pointe, alors avec euh, dans le patron, je crois qu'on refait quelques rangs de de côte 1-1 euh, un, un semi-torse, là j'ai directement fait mes diminutions de pointe et, euh, et donc voilà je lui ai fait une pointe classique j'ai suivi celle les diminutions préconisées dans les chaussettes homard de dourdin j'ai bien aimé euh, sa manière de faire euh, la pointe donc j'ai repris la même chose donc je lui ai fait une pointe euh, voilà, pas celle du patron un peu plus longue de ce fait là alors les chaussettes normalement devraient être la, la bonne taille pour Noah parce qu'elles sont trop grandes pour moi. Moi en fait mon pied, il mes orteils s'arrêtent là. Il y a vraiment euh, quasiment toute la pointe en plus. Je pense que donc pour Noah ça devrait aller. De toute façon j'avais mesuré, euh, j'avais fait, j'avais calculé pour m'arrêter 5... Euh, ça tombait bien 5 cm avant. Elles font 28 cm de long parce que voilà, ouais, j'ai 23 cm du talon jusque-là puis les 5 cm de pointe. Normalement elles devraient aller à mon cran à ah, mon deuxième Noah. Et donc euh, l'objectif c'est de faire la deuxième cette semaine, il rentre à la maison vendredi soir donc après je peux plus les faire. Donc euh, je me suis attelée, j'ai déjà commencé la deuxième chaussette. Et voilà, où j'en suis la deuxième chaussette. J'ai déjà fait les côtes, la première rayure, la deuxième est quasiment je crois que la deuxième elle est finie, je dois passer au blanc. Donc euh, voilà, l'objectif vraiment cette semaine, bah, il faut que j'ai fait toute la deuxième chaussette pour euh, vendredi euh, grand max. Comme ça au moins ça sera fini. Et... Parce qu'après, bah, c'est les congés et on les a pendant 15 jours. Donc vraiment pendant 15 jours, je vais plus pouvoir y toucher. Donc ça sera l'objectif de la semaine, c'est de terminer ça. De toute façon, l'objectif de la semaine, c'est de terminer tout ce qu'il y a sur mes aiguilles. C'est pas compliqué, il n'y a que deux en cours. Oui, parce que je n'ai rien monté. Finalement, j'ai rien monté du tout ce week-end. Je me suis dit allez. On Avance, on... on va voir ce que ça donne. Et le, donc, le mon deuxième en cours, c'est le test du gilet gif que j'ai pour même les anges tricotes. Et je viens vous le montrer. Hop là, il est terminé le corps Mais parce qu'il a encore pas de manche. Hein. Alors, je vous avais quitté, j'en étais là. J'ai tricoté tout ça plus les côtes. Donc, euh, voilà, une belle avancée, hein, mine de rien. Une belle avancée. Et on a donc la bordure toute cette dentelle en bordure, que c'est beau. Franchement c'est super beau. Jusqu'en bas, jusqu'aux côtes. Voilà. Donc là maintenant le corps est terminé, il me reste plus que les manches. C'est pour ça. En fait, ce week-end, je me suis dit entre j'ai fait ma chaussette et j'ai fait ça. Et je me suis dit ah, je commence rien d'autre. Comme ça, je termine ça, et puis euh, ça sera fini et c'est bien quoi, ça sera chouette. Donc je suis contente. Et moi des manches j'aime bien. J'aime bien tricoter des manches, donc euh, voilà, je vais avoir une chaussette et deux manches à tricoter cette semaine avant, et je me dis que je peux le finir. Idéalement, bah voilà, essayer de voir ce que c'est de refaire un peu de mono en cours, le terminer, et puis euh, terminer tout ça avant de commencer autre chose. Voilà, portée, hein, ça rend vraiment bien la taille, elle est super. Et j'ai une très bonne longueur en dessous, voilà, j'ai une bonne longueur en dessous. Moi je crois qu'il est un chouïa plus long que préconisé par le patron parce que j'ai vraiment voulu euh, faire en sorte de bien finir mon, tout mon motif euh, avant de rabattre. Je voulais pas m'arrêter en cours de motif ou autre. J'étais vraiment jusqu'au bout du motif. Il est un peu plus long je pense, mais ah j'aime beaucoup le rendu, vraiment très très beau. Ah hein, lui par contre au lavage il va falloir vraiment bien épingler toute la dentelle pour qu'elle se révèle bien, que ça soit vraiment beau. Ah, je suis contente. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les manches. Alors dans le patron, euh, Laetitia, elle a pensé à son gilet avec des manches euh, qui arrivent à peu près au niveau du coude. Alors Moi, je vais lui demander euh, l'accord, mais je vais faire des manches longues parce que déjà, d'une part, j'ai assez de laine pour le faire. Mon objectif, c'est de le porter surtout euh, pour l'automne. Donc vraiment, je voudrais qu'il euh, ait des manches longues. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Donc c'est l'objectif de cette semaine le terminer lui, les deux manches. Avant mes congés, ça serait bien. Donc voilà ce qu'on va suivre euh, cette semaine dans, dans le vlog. Euh, des, des tubes en fait, hein, des manches, des chaussettes, hein, c'est des tubes. Voilà, voilà. Alors pour rappel, lui, je le tricote avec euh, la base Yak 120 de Une louve dans les Bois, le coloris Palais des Vents, il me semble. Et euh, c'est vraiment cette euh, laine, elle est d'une douceur mais oh, incroyable. Franchement, très très belle laine. C'est euh, Merino, Yak et Soie, franchement c'est d'une douceur incroyable. C'est très brillant, c'est très très beau. Et je suis contente parce que alors euh, j'avais un écheveau, Ah oui, bah si ça se voit quand même en fait. Oh, ça se voit plus à l'écran en vrai. Qui avait des speckles quand même plus marqués que l'autre, que les deux autres? Bah, ben, euh, flemme d'alterner. Euh, J'ai pas alterné. Et en fait... Euh, alors en vrai, ça se voit pas. Là, je savais que je pense que vous voyez quand même que les speckles sont plus prononcés en dessous qu'en haut. Mais en vrai, c'est franchement pas du tout choquant. Et puis de toute façon, j'avais quoi que ma foi là quand je regarde les spécules sont assez foncés. Mais voilà. Enfin, bon, non. En vrai, il a rien de choquant. Peut-être que ça se voit un peu plus à la caméra. Moi, ça c'est homogène. Hein. Mais non, j'ai pas alterné parce que j'avais franchement pas envie d'alterner euh, mes échoues. Voilà, voilà pour ce début de vlog. <music> retrouve aujourd'hui je porte le t-shirt oh là j'ai perdu euh, c'est pas le marétimo si c'est le marétimo le marétimo de kathleen hunter j'ai eu du mal alors c'est un t-shirt tout en jersey qui présente une petite dentelle au niveau du bas de la manche et du bas du t-shirt Vous voyez il y a deux rangées de dentelle normalement il y a une troisième couleur qui vient en fait encadrer le la dentelle, mais moi pour déjà utiliser au maximum de mon contrastant, j'ai tout fait d'une seule couleur et ça rendait bien comme ça. Et dans l'idée voilà, d'utiliser au maximum, j'avais réutilisé mon contrastant ici parce que si je me trompe pas, je crois qu'on le tricote du bas vers le haut et donc j'avais fini par là-haut. Je savais bien que j'étais complètement large au niveau de, de mon contrastant. Le maritimo de Kathleen Hunter Alors pour, je l'ai tricoté dans la teinture Lurée, là c'est la Fibers il me semble Je l'ai mis ce matin parce que Ce matin il faisait pas c'est pas beau Il faisait fr limite froid Franchement ce matin il était pas J'étais bien contente de l'avoir mis Il était vraiment pas trop chaud et tout Là j'avoue en fin de journée finalement l'après midi on a eu du soleil Il fait un peu trop Je me mets un peu chaud avec Mais ma foi ça a été quand même mais c'est vrai qu'en ce moment, nous chez nous on sait plus comment s'habiller entre le matin. Il y a des journées où il va faire vraiment pourri toute la journée, il va faire frais toute la journée, donc euh, c'est très bien supportable. Il y a des fois où là, ben, finalement, le soleil il se lève et il fait meilleur. Enfin voilà. Ça, c'était pour ce que je portais. Euh, je vais vous montrer mon, mon gilet parce qu'il a bien avancé. Alors, premier tube. Non, premièrement, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait de ma première manche. Alors, faut savoir que par rapport à ce qui est préconisé dans le patron initialement, moi je l'ai fait beaucoup plus longue et à 20 cm de plus là de longueur que ce que demandait euh, Laetitia dans le patron. Elle l'a elle fait un peu en demi-manche, demi manche trois quarts. Moi j'ai vraiment fait une manche longue. Je pense que là la longueur elle est bonne parce que après je vais devoir tricoter un volant sur le bout de la manche. On vient reprendre l'idée de la. Bordure ici sur le bout de la manche. Alors, moi, quand j'avais demandé l'accord à Laetitia pour lui dire euh, est-ce que je peux faire une manche longue plutôt qu'une petite manche, elle m'avait dit oui, il y' a pas de souci, est-ce que tu veux que je te recalcule tout Je lui ai dit mais non, t'embête pas, franchement, euh, je vais laisser tel quel. Donc, j'ai fait les diminutions comme préconisé dans le patron, et je pense que ça se voit un peu, on voit qu'il y a là, hop, ah, puis après c'est toujours tout droit. Je sais pas trop euh, si je pense que vous voyez, mais si je le lâche pour vous montrer. Euh... Bref, on voit hein, que après ça devient tout droit, donc euh, je suis ce qui est dans le patron, et puis là je vais pouvoir attaquer la, le volant. Elle m'avait demandé aussi si je voulais euh, plutôt des côtes euh, pour recalculer, pour faire des côtes torses comme le bas. Je lui ai dit bah, non, franchement, le volant, je trouve que ça donne son petit charme à ce, à ce gilet, donc je vais faire le volant. Alors là, la, la particularité du volant, c'est qu'il ne se tricote pas dans le sens, dans la continuité de la manche, on vient le tricoter en perpendiculaire de la manche. Alors, on va créer euh, bon, euh, donc je, si j'ai bien compris on va monter, euh, monter des mailles à ce niveau là et ensuite je vais venir tricoter le volant comme ça tout autour de la manche. Euh, c'est bien expliqué, c'est bien pensé, c'est chouette, et comme ça j'aurai en fait le, le motif qui sera comme ceci sur le bout de ma manche. Si hop et ça va... Oh là, oh oh, c'est pas évident, ça va rendre comme ça sur la manche. Bref, vous verrez bien quand ça sera fini. Donc voilà où j'en suis pour mon gilet. C'est ce que je vais faire là, je pense. Ce soir, je vais faire le premier volant. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire la deuxième manche. J'ai bobiné mon troisième échoue parce que j'en vais en avoir besoin pour terminer mon gilet. Et puis, ma foi, voilà. Après, prix sera bientôt fini. Je vous l'avais dit. Moi, j'aime bien tricoter des manches. Franchement, ça va vite, ça va tout seul. Bon, j'ai tricoté dessus. J'ai pas beaucoup avancé sur ma. Sur ma chaussette, hein. je ne peux pas tout faire en même temps, c'est sûr. Je viens vous remontrer, parce qu'il est lavé, il est sec, euh, le châle chèche en bois de UniTool. Je viens vous le remontrer quand même, parce que voilà, maintenant il, est, il a été lavé, et il est bien épinglé. Il a déjà un peu un peu froissé. On voit bien la petite dentelle de ce côté-ci, la bordure, et puis forcément toute celle-là. J'ai bien épinglé à chaque petite vaguelette. Là, je fais des pointes pour que... Ça se met bien. Et voilà quand même, il est devenu... Euh, il a pris une belle ampleur. Pour un châle à un échou, hein. faut pas trop en demander, hein, c'est sûr, mais euh, je trouve que franchement, euh, le lavage lui a fait énormément de bien et le rendu est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé euh, la, les cotes de deux. Ça a vraiment permis de bien étendre le... d'étirer le, le, le châle, Je regrette vraiment pas de pas avoir fait d'icord parce que... Si j'aurais fait un accord trop serré, j'aurais eu du mal à l'étendre. Là franchement avec les côtes, il s'est super bien détendu. Et donc si je le porte, hop vous voyez, voilà. Pour un châle à un écheveau, franchement, je trouve qu'il tombe super bien. Vous voyez, même si je serre là, hop. Donc si je serre vraiment pour avoir chaud, bah, j'ai quand même deux pans assez grands. Et si je veux un truc quand même un peu plus. Voilà. Et là, il est un peu plus lâche, tout ça. Non, franchement, il se place euh, bien. Il a vraiment une bonne. Euh... Il avait besoin d'être lavé et bien épinglé et tout pour euh, vraiment prendre euh, bien sa taille. Et vraiment, je suis contente parce que quand je l'avais fini de tricoter, il était un peu euh, riquiqui, un peu rabougri. Et vraiment, le lavage lui a fait vraiment du bien. Ah, je suis vraiment contente du résultat. Très, très contente. Et bien, je trouve que c'est vraiment une belle idée de cadeau à offrir ce châle-là. Un châle à un écheveau vraiment sympathique. Ah, J'aime bien. Je suis très contente du rendu final euh, du chèche en bois de Yoni Toulon. Un très chouette modèle à faire avec un écheveau. Voilà. Voulez-vous le remontrer Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas plus à vous montrer. Hein. C'est vrai qu'en étant mono en cours, forcément, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Euh, Peut-être que demain, j'aurai une manche finie. <music> Je vous retrouve. Je suis contente, je suis joie parce que je viens de finir tout le tournage et montage de toutes les vidéos que j'avais prévues pendant ma petite pause estivale. Et ouf, je suis contente, c'est bien. Là, il ne restera plus qu'à finir de monter ce vlog là, mais euh, bon, je ne me fais pas de soucis, c'est comme d'habitude, voilà. Mais c'est vrai que voilà, de toutes les autres petites vidéos que j'avais prévues, euh, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais c'est bon, c'est fait, je suis contente. Je vous l'avais pas montré parce que j'ai pas fait ça ce week-end, j'avais fait ça le week-end d'avant déjà. J'ai refait un peu de couture pour faire mes petites lingettes démaquillantes. Alors ceci, c'était du... C'était le reste de... de tissu que j'avais. Alors j'ai fait un. Reprenant depuis le début, j'ai fait un mémory, un jeu de mémory pour mes petits avec du en tissu. Donc euh, et tous les du, des tissus des caressons avec ce joli petit euh, tissu hérisson il m'en restait euh, quand même euh, pas mal de tissus et je m'étais dit que j'allais faire des petites lingettes démaquillantes euh, lavables parce que j'en ai j'en ai euh, j'en ai quand même plusieurs mais bon avec le temps ça s'use et elles sont toutes blanches et euh, je trouve que blanc en fait euh, euh, bah, il, il reste pas blanc avec le temps moi je me maquille donc c'est pour euh, enlever du fond de teint enlever du mascara et j'ai beau les laver régulièrement, moi je veux dire, voilà, je les utilise une fois, hop, je les lave, mais à force le blanc il reste pas blanc, au moins là je me dis, bah, en gris ça se verra moins, c'est super doux, donc bon, j'en ai pas fait beaucoup, alors c'était même pas ce week-end-ci, c'était le week-end d'avant, j'en ai fait que trois, euh, parce que j'avais un, une petite couture de réparation à faire, et je me suis dit, ah, allez, on commence. Alors j'avais commencé, je découpais euh, un carré dans le, le tissu éponge, un... Ça non, tous mes carrés comme ça ils étaient faits. Les hérissons, ils étaient prêts. Mais alors à chaque fois je découpais un tissu éponge, je faisais la couture. J'ai fait ça trois fois, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça prend trop de temps. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est découper tous les carrés éponge. J'ai découvert que le tissu éponge, ça en met partout, des petites nounous, là c'est horrible Après j'ai pris tout mon tas de, de carrés, je les secoué comme ça, il neigeait dans la maison. <laughs> c'est vraiment terrible ce, cette chose, plus jamais de la vie. Mais voilà, au moins ils sont tous prêts, il n'y a plus qu'à tous les coudre. Et là, pendant mes, mes vacances, je vais le faire. Euh, je, je me dis qu'à raison de 3-4 carrés par jour ça devrait aller Alors contrairement à mon memory, parce que à mon memory euh, donc je les ai cousu sur l'envers, j'ai retourné Et memory j'avais juste fait une petite couture là pour refermer sur l'endroit Bon bah là je l'ai fait tout le tour parce que ça rend quand même mieux Et je pense que ça évite que les, les tissus ils bougent au moins et voilà. Donc bref, je me revois à la partie dans la couture, j'ai ça à faire, à finir pendant mes congés je vous remontre. Euh, bon, je sais pas si je vous remontrerai pas. Il n'y a pas, euh, peut-être pas d'intérêt. Mais euh, j'ai pas. Euh, voilà. clairement, la couture, j'arrive pas. Ça me passionne pas. Ça me donne pas envie. Alors si, quand je vois, par exemple, quand je vois MJ faire tous ses vêtements et tout, et je suis waouh. Ou Cécile que font mes mains et tout, j'adore. J'adore ce qu'elles font. Je trouve ça magnifique. Euh, en plus, Cécile, elle nous partage vraiment sa pensée de. Je vais faire ce pull là et je ferai le pantalon euh, avec ce tissu là. J'aime beaucoup ces réflexions autour de ces tenues. J'adore, je suis impressionnée. Euh, quand je les vois faire des manteaux, je me dis Mais le truc de ouf, quoi euh, MG, elle, elle coud ses culottes, quoi Moi, je trouve ça incroyable. Mais quand je dois me motiver à coudre, franchement, aucune passion. Même ne serait-ce qu'un sac à projet, parfois je me dis Allez, je vais me motiver, je vais acheter du tissu pour faire du sac au, un sac à projet. Mais même là, non, je suis pas. Je suis pas emballée, j'aime pas, franchement j'aime pas. Donc euh, je crois que je vais faire mes petits carrés, puis après euh, ça sera tout. Euh, <laughs> je garderai ma machine à coudre que quand j'ai des des soucis de de, de réparation à faire, euh, voilà. Parce que ça aide quand même toujours qu'on fait des réparations. Mais euh, clairement, ouais, j'arrive vraiment pas à me motiver pour faire des vêtements. Enfin bref, c'est pas le sujet. Euh, sinon, aujourd'hui. Niveau tricot, je viens vous remontrer mon gilet givre. J'ai une manche de terminé, voilà. Alors juste avant j'ai filmé, j'ai essayé de vous filmer un peu quand je veux tricotais pour que vous voyez le, un peu l'histoire le, 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 là. Parce qu'en fait donc la manche elle est tricotée dans ce sens là et après on, donc dans ce sens là pour la manche et ensuite dans ce sens là pour la bande. Voilà donc ce que ça donne. Alors je ne montre pas portée, j'ai essayé la manche elle tombe super bien j'aime beaucoup le rendu de la manche mais je vous montre pas à ce que ça donne porter ça faudra attendre à sa sortie euh, bah dans dans un mois à peu près un tout petit peu moins d'un mois quand vous voyez cette vidéo donc c'est vraiment la même euh, dentelle que sur euh, le que sur quoi que sur le le, la, le bord du le bord du gilet. Hein, le... C'est vraiment la même, hein. on reprend la même chose, mais là, c'était... Euh, voilà. C'est pas... À force on a l'habitude, on suit un diagramme à nouveau, c'est vraiment pas. c'est pas compliqué. C'est beaucoup de points différents, faut être concentré, mais euh, c'est vraiment très très chouette à tricoter. Alors moi j'ai tricoté toute ma manche avec une mini euh, de 30 cm parce que c'est ce que j'aime. Donc quand j'ai commencé ici, je me suis dit je vais rester avec ma mini de 30 cm et c'était pas du tout agréable. J'ai fait un motif complet comme ça et j'ai pas aimé. Je me suis dit ah non, il n'y a pas... Donc j'ai repris mes aiguilles interchangeables avec un câble un peu plus grand. Vous voyez, je les ai là. Donc ma mini de 30 cm pour faire la manche. Et ensuite j'ai repris. Donc ça me permettait déjà d'une part d'avoir une aiguille plus grande. Je trouve que elle était un peu plus pointue, j'ai l'impression. Ou c'est le fait que l'aiguille soit plus grande. Enfin bref, et vous voyez, j'ai mis un câble de... ça veut être 35 cm. C'est ça. Ça fait 35 cm, mais euh, parce que la, mi le, la mini circulaire fait 30 cm tout compris. Là, déjà, le câble il fait 35 plus les aiguilles. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus grand. Et là, ça a été beaucoup plus agréable à tricoter. Et donc, on vient tout faire. Et j'ai fait un rabat à trois aiguilles. Parce que, forcément, en fait, on, comme on vient tricoter tout le tour comme ça, on a d'un côté le début et de l'autre la fin. Et là, vous voyez, j'ai mon rabat à trois aiguilles. Pour refermer ma manche donc voilà il me reste plus qu'à bien rentrer les fils et tout et euh, ça sera bon donc euh, après bah, il me reste surtout à faire la deuxième manche hein, parce que la deuxième est encore sur son petit câble d'attente mais voilà mais euh, bon bah, aujourd'hui l'objectif c'est faire la manche mine de rien ça m'a pris du temps de, de tricoter ça là c'est quand même pas ça, ça prend du temps mais le rendu il est vraiment très très beau. Même mon chéri il aime bien, il m'a dit eh ben, c'est différent de ce que j'ai et tout. Moi euh, je suis vraiment contente. Voilà pour mon gilet. Et je me tiens toujours à deux en cours, j'ai rien commencé d'autre. Même si, euh, bah voilà, j'ai rien commencé d'autre. Je vais pas recommencer non plus mon, mon histoire de housse de coussin avec ma, mes triangles. Je, je vais ça un peu plus tard pour l'instant. Franchement, j'ai pas envie de refaire des triangles. Par contre, j'ai donc commencé, euh, j'ai poursuivi ma chaussette. Alors j'ai mis un petit anneau marqueur, la fameuse glycine d'Apollonie que j'ai reçue euh, la semaine dernière. Il s'accorde bien au niveau des couleurs. Donc j'en étais là, j'avais fait les deux premières rayures. J'ai fait ma troisième rayure, j'ai fait mon talon, mon talon euh, renforcé à gousset. Donc j'ai poursuivi la chaussette. J'ai fini là les diminutions du gousset. Maintenant il ne me reste plus qu'à faire le tube. Euh, donc je finis le gris, je répète encore une fois ce coloris-là, et après je fais celui-là, et ensuite ça sera la pointe. Donc voilà, je vous l'avais dit, l'objectif c'est de les finir vendredi, donc dans deux jours, avant que mes garçons rentrent à la maison. Bon bah ça sera chose faite, là c'est plus qu'à aller tout droit, ça va être tranquille. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Bon ça avance bien. Les parties les plus techniques sont passées, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'à finir la chaussette. Et puis alors, par contre je vais laver bien après. Il euh, n'y a pas d'urgence. Il me restera une paire ch de chaussettes à faire. J'ai fait les Monday Socks de José Paquin Pour Axel. Je vais faire le même modèle pour Noah. Mais j'ai pas du tout... Je sais pas la laine pour utiliser tout. Je ne sais pas à quelle laine principale utiliser pour la chaussette. Donc euh, ça, voilà. Ça sera à la réflexion. Mais comme ils vont être là... Ce ne sera pas avant fin août. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Je ne pensais pas revenir parce que comme j'ai que ma paire de chaussettes et mon gilet, bon, c'est redondant. Finalement j'ai d'autres choses à vous parler. Donc je reviens vous, vous parler tricot aujourd'hui. Je vais quand même revenir un peu sur ma manche parce que je suis arrivée au volant. Le petit volant à la fin de la manche, donc au moins hop, ça sera peut-être un peu plus clair ce que je vous raconte. Donc voilà ma manche que j'ai donc tricotée. Hop et vous voyez, on vient tricoter le volant dans ce sens là par rapport à la manche. Et on vient donc tricoter. Donc comme je vous avais dit, j'ai arrêté de le faire avec mes mini circulaire, j'ai repris des aiguilles euh, normales, on n'est pas, hein? pas en magic loop on n'est pas en magic loop, puisqu'on tricote vraiment le volant en aller-retour tout en le raccrochant petit à petit sur le bout de la manche. Et en fait à la fin on vient faire une couture ici, donc. Euh, euh, moi, j'ai fait un rabat à trois aiguilles, mais on peut faire un grafting. Mais on vient voilà, le faire à ce niveau-là. Vu quand je vais faire tout le tour de la manche, je vais terminer ici. Donc voilà, je suis en train de faire ma deuxième manche. Bon, ben, demain, pour la fin du vlog, je... le but, c'est que je revienne vous la montrer euh, terminée. Voilà, voilà. Pour moi, comme ça, peut-être que ça vous paraîtra un peu plus clair, cette histoire de volant dans l'autre sens de la manche. Ensuite j'ai un peu, je commence à être à jour dans mes commentaires, j'ai pu voir euh, tous les messages que vous m'aviez laissés dans le précédent vlog. Alors l'idée du châle, le What's the Fay de Andrea Moury, avec ce combo là vous plaît énormément. Moi aussi hein, d'ailleurs. Mais quelqu'un m'a proposé, m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un gilet Alors c'est vrai qu'en ayant six échevaux, il y a de quoi faire un vêtement largement. Donc la personne m'avait conseillé, conseillé un modèle de Rory Locatelli, mais j'aime pas trop faire un gilet dans un dégradé de couleurs, mais avec plein de motifs. J'ai vu il y avait des nopes, il y a, du, il y a de la texture, et je trouve qu'en fait, ben, ça se perd dans les couleurs. Là, ce genre de projet-là, faut pas qu'il y ait de, de texture. Quoi. Donc dans le What's the Fade, il y a la brioche, mais bon, la brioche, ça se prête super bien à ça. Et j'ai recherché après un gilet, j'ai trouvé le ah oh, j'ai oublié, le plus fluffy euh, en fait de la marque Hedgehog Fibers. Elle propose pas mal de patrons et ce patron là est gratuit par exemple c'est un gilet qui se tricote avec de la fingering tenue en double pour une épaisseur des cas Mais en fait par exemple on commence avec cette couleur là tenue en double, puis après on prend un fil de celle-là et de celle-là pour en fait faire le dégradé et passer d'une couleur à une autre. Et j'avoue que j'aime bien l'idée, normalement bah, en fait j'ai assez pour le faire. Mais dans ces cas-là, je me suis dit, bah, peut-être changer un peu mon fade. Et je ne sais même plus ce que c'était quoi, mon idée. C'était de passer celui-ci là. Quelque chose du genre comme ça, il me semble. Euh, oui, je crois que je voulais intégrer le, celui de tricot et stitch là entre les, le vert et le bleu. Ça me, paraît très, ça me paraissait mieux. En fonction de dans un sens ou dans un autre. Il bon, n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ça part quand même toujours du vert vers le violet. C'est juste celui-là. Je crois qu'en fait en fonction des trucs. Celui-là je l'avais échangé de côté. Je ne sais plus déjà. Et celui-là euh, il s'était retrouvé ici. Mais je me dis que finalement entre ces deux-là il se met bien en place. Enfin voilà. Alors je, je doute. Je doute. Euh, L'avis à mon chéri c'est de faire le gilet. Parce qu'il me dit "Bah des châles t'en as plein. T'as pas forcément besoin d'un châle en plus. Un gilet pourquoi pas. Est-ce que je porterai un gilet comme ça Bon à la maison sûr. Hein. C'est sûr qu'à la maison pour euh, Oui, pour aller au tricoter, oui. Mais dans la vie de tous les jours pour travailler, je sais pas. Donc je suis en pleine réflexion. Et donc je vais demander votre avis. Le vote du public. Avec toutes ces couleurs-là. Alors j'espère que vous les voyez, parce que je suis pas sûre que Bon bref. C'est pas évident, hein. Attendez, hop, hop. Bon bref. Vous n'allez vous pas les avoir en mode dégradé, mais... Grosso modo. Oh c'est quelle galère. Ah oh J'en ai perdu un. Hein. Je <laughs> vais y arriver. Allez. Là, avec toutes ces couleurs-là. Donc pour le vote 1, le What's the Fade de Andrea Mori, donc un châle triangulaire en brioche. Ou le vote 2, le châle Pluffy, je crois, de Edgehog Fibers qui en... Qui okay, est donc un gilet euh, qui se porte ouvert, tout en jersey, mais qui a un dégradé. Donc voilà, je vais vous laisser voter un ou deux. Vous me dites dans les commentaires euh, ce que vous, vous vous aimez le plus et euh, je ferai en fonction, je pense. Voilà, parce que vraiment je suis indécise. J'arrive pas du tout à me décider entre les deux. Alors vous avez beaucoup aimé l'idée du châle, du mais, euh, mais j'avoue que là, euh, juste avoir eu la proposition de me dire de faire un gilet, et puis je trouvais que ce gilet là, il se prêtait bien. Et j'ai pas su... Euh, je... Mon cœur balance. Alors en fait, la simplicité, ça serait d'aller vers le châle, parce que... Alors j'ai pas le patron, j'ai pas été voir, mais je pense qu'avec Andrea Mori, elle va nous dire on fait tendre vous changez de laine, vous faites encore tendre vous changez. Voilà, ça sera tout bien indiqué. Là pour le patron du gilet, il est gratuit, donc j'ai déjà regardé un peu. Et elle dit en fonction de la taille qu'on veut faire, on change de couleur tous les 5 ou... On fait 5, ou 15... On fait 5 à 15 ans avec... Euh... Avec une couleur avant de commencer l'autre. Moi, enfin, c'est au niveau du fade, il n'y a pas beaucoup d'explications pour essayer de faire quelque chose de bien et d'harmonieux. Donc il faudra réfléchir un peu plus. Et puis il euh, faut prévoir pour les manches tout ça. Donc ça va être quand même un projet qui va demander plus de concentration tout ça. Mais j'avoue qu'un gilet, ça me serait plus utile qu'un châle. Mais j'adore tricoter de la brioche. Mais bon, des châles avec de la brioche, il y en a encore tout plein d'autres. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Et j'arrive vraiment pas à me décider. Donc euh, ben, je fais appel à vous, le public. Il faut voter. Je choisirai le vote du public. Un ou deux. Voilà. <laughs> On en reparlera euh, bah, après mes vacances. Hein, de ce fait-là. Les résultats, vous les saurez qu'après. C'est dommage que je puisse pas faire un petit sondage là, parce qu'il va falloir que je regarde. Euh... Ah non, non, alors, attendez. Parce que ça sera plus facile pour moi de, de le savoir euh, plutôt que de compter tous les commentaires. Je vais épingler, je peux faire ça, je pense. Je vais épingler deux commentaires tout en haut de ma vidéo. De... Je vais épingler deux commentaires avec le vote 1, le vote 2, et vous mettez un cœur sur votre vote. Comme ça, je vais... tout le monde saura en fait ce qui va avoir gagné. Puis même pour moi, ça sera plus simple que d'aller compter euh, le 1, le 2 le... dans vos commentaires, d'aller comment... compter tout. Non, non, je crois que je peux faire ça. Je peux épingler un commentaire. J'espère en épingler deux. Donc, au début de ma vidéo, tout en haut des commentaires. Comme ça, vous, euh, vous votez soit le vote 1 pour le châle, le vote 2 pour le gilet. On devrait être bon. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous parler aujourd'hui. Deuxième chose, mon coussin, ma housse de coussin. Euh, vous aimez bien l'idée Coucou Chrisselle, hein, qui va faire la même chose avec euh, un de ses ouvrages. Ah moi, je vous avais dit, bah, je vais refaire des triangles. Eh mais vous êtes merveilleux Vous m'avez dit, mais t'as qu'à faire euh, le recto, pas avec les triangles. Bah ouais, franchement, quelle idée. Donc, vous m'avez dit bah, que je pouvais faire un hexagone avec euh, au crochet, ou faire un rond au crochet, ou faire un rond au jersey. Alors, j'ai fait mes petits calculs en regardant, euh, en comptant le nombre de mailles que j'ai sur chaque côté et tout, euh, en faisant attention à mon échantillon aussi. Et je pense que je peux facilement faire un rond euh, tout en jersey derrière, qui devrait vraiment avoir franchement la bonne taille. Euh, j'ai fait des calculs en regardant ma tension, combien j'avais de centimètres pour tendre en, combien là il me faudrait et tout. Et par rapport au nombre de mailles, main, bref, j'ai fait tous les petits calculs et ça devrait bien se passer. Enfin, la seule chose c'est que ça, ça fait quand même 75 grammes de fingering. Je pensais pas qu'il y en avait autant de laine dedans. Donc ça veut dire que c'est quasiment un écheveau que je dois faire passer à l'arrière de mon de, de mon ouvrage. Alors dans l'idéal, c'était un truc où j'utilisais des restes. Donc je vais voir, soit je vais faire des rayures, soit je vais faire un petit fade. Ah ouais, pas mal l'idée du, hein, peut-être d'un fade, d'un dégradé justement. Euh, mais il faut à peu près 75 grammes pour faire tout mon. don. alors j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je vais relever toutes les mailles et je vais le faire plus, euh, du plus grand au plus petit. Il y a un moment où je vais insérer mon coussin dedans pour pas qu'il se retrouve euh, parce qu'il va falloir euh, tricoter, parce qu'il faut bien qu'il passe. Donc euh, au début ça devrait aller, mais il y a un moment où je vais devoir insérer mon coussin dedans. Et puis euh, le terminer en rond jusqu'au ben, centre à ce niveau-là. Alors je pourrais faire mon rond dans l'autre sens, mais après il y aurait toute la couture. Et je me suis dit, ma foi, autant relever les mailles tout de suite, faire les plus grands rangs et puis euh, voilà, aller en réduisant. Et j'aimais bien l'idée d'avoir des diminutions, ça fera des, beaux, des belles lignes. Un peu comme les. J'en ai pas là, mais en dessous des gnomes, on... c'est souvent des diminutions et ça rend bien. Ça fait. Euh... Comme une petite étoile en fait. Euh, et j'aimais bien l'idée de voir les diminutions. Je trouve que ça va rendre bien. Donc voilà, je vais faire du jersey euh, au recto. Alors ah, je ne sais pas encore il faut que je réfléchisse pour la laine. Mais au moins j'ai déjà réfléchi au nombre de mailles que je dois relever et tout. Et ça va être. ça va être une chouette. Ça va aller beaucoup plus vite que de faire des triangles. Donc ça aussi, je vous en reparlerai. Pendant, après les vacances, je sais pas si je vais le faire pendant mes congés ou si je le ferai après, mais en tout cas, c'était une super idée. Donc, je suis bien contente de vous en avoir parlé parce que c'est grâce à vous que j'ai eu l'idée de le la... faire. Bon, moi, j'ai pas eu l'idée, hein. grâce à vous, je... ça se transforme en housse de coussin, et grâce à vous, je refais pas tous les triangles. Ça, c'est chouette. Voilà, bah, ça c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain pour la fin du vlog avec, je l'espère, mes deux en cours terminés. <music> On arrive à la fin de ce vlog et ça y est c'est officiel je suis en vacances ah, ça va faire du bien <laughs> ça va faire du bien euh, juste avant je vous ai mis des images j'ai même euh, j'ai rangé j'ai pas fait ça aujourd'hui je l'avais fait dans la semaine j'ai rangé toutes mes pelotes, j'ai réussi à tout ranger et tout ce qui est un peu euh, pelote industrielle j'ai une petite colonne qui servait à la base à ranger des cd mais euh, bah moi je, je mets la laine dedans j'aime bien ce petit côté euh, étalage comme ça, tout, j'aime bien j'ai réussi à tout ranger, je suis contente il n'y a plus qu'à à, à vider et à tricoter mais bon, ça c'est une autre histoire mais c'était pour ce que vous avez pu voir juste avant alors je reviens, j'avais un objectif cette semaine, c'était de finir mes deux en cours les deux seuls que j'avais, presque mono en cours parce que les chaussettes normalement ça compte pas <laughs> Euh, J'espère que bah, pour vous ça vous aura plu. Je vous ai quand même parlé d'autres choses et tout. Euh, voilà. Vous rappelez-vous, rappelez, rappelez -vous, il y a le vote, hein, le vote en dessous. Alors j'étais voir, j'ai fait des tests et effectivement je peux bien, je peux parfaitement épingler un commentaire. Donc il va y avoir le mon commentaire épinglé et en dessous dans, dans mon commentaire je vais en mettre deux où je vais vous mettre vote un, vote 2 Donc vous mettez soit un pouce en haut ou un cœur euh, sur euh, donc soit le vote 1 c'était, j'ai déjà oublié. C'est le châle, le vote pour le numéro 2, c'est euh, c'est le gilet, voilà. Et je ne sais même plus ce que je vous disais. Voilà, j'ai divergé. Oui, donc je disais, j'espère que ben ce côté un peu ne vous a pas ça a pas été trop long. Voilà, comme je vous disais, je vous ai parlé un petit peu d'autres choses et tout. Montrer est-ce que j'ai réussi oui ou non. Déjà les chaussettes. Hop. J'ai bien mes deux chaussettes, je ne sais déjà plus quelle était la première, bon elles sont identiques de toute façon. Les, voilà. Donc j'ai utilisé, j'ai mis le, tout le grammage utilisé pour les chaussettes. Je crois que ma première paire à moi, mes, mes premières couleurs palettes, ça que j'avais pas pesé mes laines, donc je n'avais aucune idée. Là je l'ai fait, je crois pour euh, celle à Axel et celle à Noah. J'ai mis toutes les quantités sur ma fiche ravelry, comme ça vous voyez un peu ce que j'ai dû, ce que j ce que j'ai utilisé pour faire euh, cette chaussette. Donc, ah, ah j'ai peut-être pas remis les modifications. Ah, J'essaierai de le faire, ça, de remettre bien les modifications que j'ai faites, c'est-à-dire pas de maille torse à ce niveau-là, que trois rangs mais en jersey en droit. Ici, j'ai fait, j'ai pas fait de, de rangs avant la pointe et j'ai atta attaqué directement la pointe, mais que j'ai fait une pointe classique pour qu'elle soit plus longue que ce qui est préconisé dans le patron mais enfin voilà elles sont prêtes donc elles sont pas lavées il y a encore tous les fils à l'intérieur parce que je les couperai vraiment quand j'aurai lavé les chaussettes mais ça voilà il n'y a plus d'urgence je le ferai une fois que mes garçons euh, seront repartis chez leur papa euh, vers la mi-août je crois oui c'est ça mais bon de toute façon c'est pour après c'est pour le mois de décembre donc il n'y a pas d'urgence après, après je reviens revenir aussi sur quelque chose parce qu'il y a plein de gens qui m'en ont parlé euh, effectivement toutes les chaussettes sont, que j'ai faites sont faites en cuve down donc c'est à dire qu'elles commencent par la tige pour aller faire les pointes. Moi je préfère l'autre sens, le taux up de l'orteil qui monte, donc de l'orteil à la, la tige. Mais là, tous les modèles que j'ai faits sont dans ce sens-là. Et donc je peux très bien défaire toutes mes pointes pour euh, refaire euh, si je vous rallonge. Ce sera vraiment pas un problème. Alors il y en a qui m'avaient dit, t'as qu'à ne, ne pas faire les pointes et les laisser comme ça. Alors je, je, je pense que j'aime pas trop l'idée d'offrir quelque chose qui n'est pas fini. Surtout que j'ai quand même bien réfléchi aux taille aux tailles que j'ai... J'ai bien réfléchi à quelle taille faire, anticipé quand même leur croissance et tout. Ils ne vont pas non plus prendre 5 cm de pied. Euh, donc normalement je pense qu'elle devrait leur aller. Et si vraiment ça va pas, ben, je vais défaire... Euh, je déferai la pointe et puis... Euh, je reprendrai un peu plus. Sans il me reste de des laines pour chaque chaussette, paire de chaussettes que j'ai fait jusqu'à maintenant, il me reste de la laine que je n'utiliserai pas dans, dans une couverture de reste ou pas. Je vais les garder jusqu'à Noël et puis comme ça une fois qu'ils auront eu leurs chaussettes, on, on pourra aviser. Mais voilà, premier objectif, les chaussettes sont faites. Le deuxième objectif c'était mon gilet. Je vous l'avais montré. J'avais commencé à faire le la bordure de la manche et donc bon. Bah, il est fini, il restait pas énorme. Alors, je l'ai, il est sur un cintre. J'ai mis une petite barre, euh, un petit bâton là. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Ça vient de mon, de mon attache euh, de maison pleine fleurs. J'ai un, une belle pièce en cuir qui est trouée et dans laquelle je peux passer ce, ce bâton en bois pour fermer des châles ou pour comme là. Alors, là, je me suis juste contentée de piquer le, le de passer le pic. Mais c'est vrai que ça permet aussi de fermer les gilets. Donc il a ses deux manches de terminer. Voilà le rendu fini. Je suis vraiment très contente, il est vraiment très beau. J'aime je, je, beaucoup. Ça change de ce que j'ai pu tricoter, c'est pas habituel. C'est chouette, c'est joli. Il a vraiment besoin d'un bon lavage parce que vous voyez la, la dentelle elle roulotte Donc vraiment il va falloir bien le laver, l'épingler au niveau de toute la dentelle. Ça c'est ce qui va être un peu. Ça va prendre du temps quoi, ça va falloir vraiment bien s'appliquer au, au blocage, mais euh, vraiment je suis euh, très contente du rendu. Voilà, et vous le verrez ce que ça donne porté euh, à sa sortie. Donc c'est au niveau du 25 août, si je dis pas de bêtises. Vous, euh, voilà. vous le verrez à ce moment-là à sa sortie portée. De toute façon, comme tous mes ouvrages, je vais avoir sa vidéo dédiée euh, normalement au moment de sa sortie mais voilà une belle pièce de terminée je suis contente et je n'ai officiellement plus rien sur mes aiguilles voilà, j'ai complètement fini j'ai tout fini et je n'ai rien recommencé j'ai vraiment pris le temps de tout finir euh, j'ai même, même mon chéri il a été surpris je lui ai dit tout à l'heure je lui ai dit écoute j'ai plus de tricot j'ai plus rien sur mes aiguilles il m'a dit mais si j'ai vu une chaussette et je lui ai dit non non j'ai préparé des laines pour faire une chaussette mais j'ai pas encore rien monté et il me dit tu le vis bien j'ai oui pour l'instant ça va <laughs> c'est rare c'est très très rare ça faisait euh, Très longtemps que j'avais pas vraiment que j'avais pas fini tous mes encours avant de recommencer quelque chose. Alors le prochain encours que vous n'allez pas voir immédiatement mais que vous verrez un peu plus tard, ça va être le after beach de atelier Emily. Là aussi, vous avez été plusieurs à me dire euh, il y a eu une mise à jour. Euh, comme je l'avais déjà, le patron sur Ravelry, j'en avais été informée automatiquement. Elle a désormais fait une encolure en V puisqu'il avait une encolure ronde et maintenant il y a une encolure en V. Il a la proposition des deux encolures dans le patron. J'ai plus qu'à qu choisir maintenant. J'ai le choix entre les deux. Et vous verrez ça, ce que j'ai choisi un peu plus tard. Je, donc je vais couper là sur YouTube, hein, je ne serai plus présente. Alors je pense que je vais quand même essayer de répondre aux commentaires. Surtout j'ai prévu des vidéos au fur et à mesure. Alors euh, il faut que je réponde aux commentaires, sinon quand je vais revenir, il va y en avoir beaucoup trop, je vais être submergée. Donc je pense quand même que je serai présente dans les commentaires. S'il y a des questions, j'y répondrai. Euh, il y a une période au mois d'août où vraiment on sera en vacances, vacances, on ne sera pas là. Et euh, je pense que peut-être qu'à ce moment-là, je couperai davantage. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si... Je ne réponds pas immédiatement. Mais bon, de toute façon, c'est déjà le cas là. Je ne réponds pas du tac au tac au message. Je mets souvent plusieurs jours avant de, de me plonger dedans. Euh, je pense que je serai un peu plus présente sur Instagram pour vous montrer quand même l'avancée de mes tricots. Je rentrerai un peu sur Instagram et je reviendrai donc euh, courant euh, août. Venir euh, revenir comme je fais en vlog et tout. Mais comme je vous l'ai dit. Je vous aurai quand même des vidéos, je vous ai préparé des petites choses en attendant. Bon courage à ceux qui n'ont pas de vacances cette année et qui bah, sont obligés de travailler tout l'été. Bon courage aussi, bon, moi j'ai toujours une pensée un peu pour euh, bah, tous les parents au foyer euh, pour qui ça ne change rien que ce soit l'été ou non. Bah, bon courage à vous aussi. Bonne reprise à tous ceux qui étaient en congé et que c'est fini. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont ou qui, comme moi, viennent juste de l'être ou qui vont de l'être en une ou deux semaines. Et bon courage à ceux qui attendent leurs vacances au mois de septembre. Souchais aussi qu'il y a des retardataires. Voilà. Bref, je vous souhaite un bel été. Alors j'espère de tout cœur que vous avez un été meilleur que chez nous parce que franchement, franchement, chez nous il est pourri, mais pourri. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Mais bon, euh, je vous souhaite quand même donc un bel été, de belles vacances, voilà, en fonction de si vous les avez eues, si vous n'en avez pas eu, et bon courage si vous n'en avez pas, euh, pas du tout. Et je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye